Propose aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais faire du bœuf. Alors pas forcément des morceaux nobles. J'ai choisi de la plate côte et du paleron. Alors du paleron, c'est des viandes qui demandent généralement des cuissons longues. Donc je vais vous les proposer fumées pendant. Allez, on va essayer de faire 8 heures. Alors, peut-être que ça fera un petit peu moins, peut-être que ça fera un petit peu plus. Et donc, fumer. Après, on laisse les viandes reposer au moins 2-3 heures, emballées dans du papier. Et pour finir, une cuisson un petit peu plus forte pour donner une petite croûte croustillante sur le, autour de la viande. Voilà. Donc, je vais fumer au copeau de chêne aromatisé au whisky, donc ça va être une première. La viande, je l'ai faite mariner pendant 24 heures sous vide avec un rub à la texane, alors un rub maison. Donc vous aurez la recette en annexe. Et donc je vais faire cette cuisson au Kamado avec le Kamado Apollo de Simogaz. Très bien, ben, on te regarde faire. Merci Pierre-Henri. Là, maintenant, je vais mettre un récipient avec de l'eau pour faire une zone froide et d'apporter de l'humidité pendant la cuisson. Donc, s'il n'y a plus d'eau, on en rajoutera. Ensuite, on va mettre l'aiguille. Et on va fermer, on va attendre 5 minutes que ça monte en température un petit peu. Donc ça y est, le feu a pris. On va mettre le paleron comme ceci et le deuxième flat coat à l'extérieur. Voilà,
Ensuite, nous allons mettre les copeaux. Donc, par ce petit orifice. Donc, attention, pour l'instant, il est encore froid. Mais au bout d'un moment, il va chauffer. Voilà, donc mes copeaux de chêne aromatisés au whisky. Et on referme. Donc là, je vais fermer la trappe d'arrivée d'air. Je vais ouvrir la marguerite à peu près à 1,5. Voilà, on ne voit pas très bien, c'est sombre. Et je vais mettre en route mon petit boîtier qui va me permettre de réguler la température du Kamado. Donc qui est en fait une petite soufflerie qui va doser l'air qui rentre dans le Kamado et qui va me permettre de réguler la température. Donc là j'ai mis la sonde qui est reliée donc au contrôleur Ringbird et la sonde d'ambiance pour l'enceinte du Kamado. Et je vais refermer le couvercle et on va configurer donc la température pour qu'elle se stabilise autour de 100-110 degrés. Donc j'ai réglé le contrôleur de température Ringbird, 110 degrés. Donc là on voit que l'enceinte est arrivée à 110 degrés. J'ai ouvert la marguerite un petit peu à moins de 1 sur la graduation 1. Et donc là maintenant on va surveiller de temps en temps. On n'est pas obligé de rester en permanence. Puisque la pompe, le contrôleur Ringbird va pomper l'air au fur et à mesure des besoins du feu.